remarqué avec Winters Brothers, qui était à Locarno en 2017, Lilnur Padmason revient avec un film puissant, impressionnant, au souffle long, porté par un comédien absolument fabuleux, Ingvar Sigurdsson, qu'on a vu dans le film de la regrettée Solveig Hanspein en 2016, L'effet aquatique, et également dans Des hommes et des chevaux, le film de Benedict Erlingsson, pardon, où nous avons montré l'an dernier Women at War. Donc ça, c'est notre côté Islande. Spotted in 2017 in Locarno with Winter Brothers, Lilnur Padmason returns with a powerful, impressive film, one that leaves a strong mark, starring a wonderful actor, Ingvar Sigurdsson, whom we saw in the late Solveig Hanspein's 2016 film The Aquatic Effect, and in 2013 in Of Horses and Men by Benedict Erlingsson, whose Woman at War was screened here last year. That's our Icelandic bend. C'est-à-dire le réalisateur et son interprète, à savoir Ilnur Palmalsson et Hilda Mekinhildottir. Et de l'équipe technique, d'abord le chef opérateur, la chef opératrice Maria van Holtzbrouck. Le monteur du film, Julius Craig Damsbo. Le comédien dont je vous ai déjà parlé, Ingvar Sigurdsson. Un autre comédien, Ymir Snar Gustafsson. Le producteur, Anton Manny Fransson. Producteur exécutif Gomondo Anna Gomondson. Well, we normally we don't want to talk too much in the beginning, but we're really really honored to be here. It means a lot to us. I remember just one small thing. I remember seeing The Spirit of the Beehive, and that was my introduction to Critics Week when I was very young. A film by Victor Erik, and it really blew my mind. Very beautiful film. So this is really a dream come true to be here now, screening our A White, White Day. So we just want to thank everybody that's involved, that's sitting with us here and the audience. Un film qui m'a vraiment inspiré, qui m'a réalisé sur le cinéma, était un film en fait de la semaine de la critique, et donc c'est un honneur, c'est un rêve qui se réalise d'être ici aujourd'hui. Merci pour cette très belle projection. Merci.